Ici, nous allons voir l'exécution de Neil lors d'un demi-squat avec une charge de 80 kg. Donc, il va réaliser 3 répétitions puisque le protocole initial était de faire 3 séries de 3 répétitions pour travailler la force, qui est une qualité indispensable pour développer la puissance musculaire, une puissance que Neil a besoin pour performer aux 400 mètres. Donc là, je vous ai montré la vidéo une première fois. Donc là, on peut voir qu'en position basse, Neil est correctement placé. Si on commence par le bas du corps, ses pieds ont un bon positionnement avec une largeur légèrement supérieure à celle du bassin. Ensuite, au niveau des genoux, on a une flexion des genoux avec un angle qui est environ à 90 degrés, donc ce qui est optimal pour un demi-squat. Ensuite, on peut voir que son dos est correctement placé, il est bien droit, et la barre est également bien placée sur le haut du dos, donc là il est bien stable. Donc là on peut voir la triple flexion, donc flexion au niveau des chevilles, des genoux et de la hanche. Et par conséquent, on va pouvoir voir la triple extension. Au niveau des chevilles, des genoux et de la hanche. Donc là, on peut voir du coup qu'il est correctement placé puisqu'il finit le mouvement en plante de pied avec une extension des chevilles. Ses genoux, ils sont également tendus. Donc ça c'est bien. Et au niveau du bassin, on a également eu l'extension du bassin. Et là, on peut voir que son bassin est placé en rétroversion. Donc voilà, il a un très bon positionnement. Donc voilà, donc là on peut voir que Neil a effectué une bonne série de demi-squats.